Voilà, vous avez maintenant les principaux conseils pour réussir vos portraits. Il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. Et rappelez-vous, ça va probablement prendre du temps. Il va vous falloir pas mal d'essais pour progresser petit à petit. Consultez vos photos, les critiquer vous-même, prendre un petit peu de temps pour dire, ah, celle-là, elle est pas mal, mais le fond est vraiment trop présent. Peut-être que j'aurais pu faire autrement. Je me le note mentalement, pas par écrit, mais je me le note pour plus tard. Et puis, ben, la fois d'après, vous saurez, vous apprendrez à utiliser les réglages de votre appareil, les différents modes, la priorité ouverture, le choix de l'ouverture, le nombre d'ISO, la vitesse. Mais surtout, n'oubliez pas, vous êtes surtout avec votre modèle, vous êtes ensemble. C'est un duo, ça ne peut fonctionner que à deux. Essayez de trouver un moment un peu calme où il n'y aura pas d'autres personnes pour vous déranger et expérimentez comme ça pour réussir petit à petit vos photos.